Evangelion, la célèbre série créée par Anno Hideaki en 1997, est toujours aussi populaire, même 15 ans après sa première diffusion japonaise. Le réalisateur a même fondé une nouvelle structure, le studio Kara, pour recréer toute son histoire en 4 films. Le premier de ceux-ci est sorti fin 2007, et le dernier est attendu à une date encore indéterminée. Fort de sa popularité, le titre a pu parfois se perdre dans des collaborations hasardeuses. C'est donc avec surprise que l'on apprend que la série de robots présente, avec le soutien du musée Bizen, Osafune Japanese Sword Museum, une exposition sur les sabres japonais à la Maison de la Culture du Japon à Paris, jusqu'au 21 juin 2014. Une exposition qui s'est d'abord tenue au Japon. そうですね。日本で2年前に、備前長船の刀剣博物館が始めで、そこからずっと、7カ所ぐらい回ってます、はい、日本を巡回して、そしてまたこの後、パリ、マドリッド、日本へ帰ってからまた日本巡回します。C'est Hirai Tomokazu, artiste basé en Italie, spécialisé au départ dans la céramique, qui a eu l'idée de faire venir cette exposition à Paris。備前長船の刀剣博物館で最初にこのエヴァンゲリオンと日本刀展があるということで、それを見てですね、これは面白いと、新しい日本の伝統文化を紹介する非常にいいきっかけになるんじゃないかという発想が、それで私自身は海外にイタリアなんですけど、私が住んでるところはイタリアに住んでて、私自身は陶芸をやってる、焼き物をやってるんですけども、ちょっと分野は違うんですけども、日本の伝統文化を紹介するには非常に面白い企画だなと思ってですね、国際交流基金に話をしたわけなんです。Les EVA utilisent à l'écran tout un arsenal, armes à feu et armes blanches. Mais les armes qui ont déclenché l'idée de cette exposition viennent du roman Evangelion Anima, paru en 2009 et illustré par Yamashita Ikuto, le mecha designer originel de la série. これはですね、いわゆる刀鍛冶さん、職人さんたちがですね、エヴァンゲリオンの中で、備前長船とそれからマゴクソードという2つの刀がですね、武器として使われていると、そこから始まると、それに対して、じゃあそれがだんだん膨れていくわけですね、イメージが、そしてそこからコラボが始まっていくというのがきっかけなんですけど。L'exposition se compose de 3 parties. Quelques sabres dans la plus pure tradition japonaise, d'autres concrétisation directe dans la réalité d'armes que l'on a pu voir à l'écran, dont l'imposante lance de Longinus, fabriquée à partir de techniques traditionnelles, ou encore certaines lames, forgées au motif de la série. Enfin, dans une dernière partie, c'est l'univers de la série qui influe sur des objets à l'apparence traditionnelle. Toutes ces armes ont été forgées au fur et à mesure que cette exposition se déplaçait, fruit d'un long labeur impliquant de nombreux artisans. 皆さん仕事によりますけども、大体数ヶ月や3ヶ月とか半年ぐらいとかかけて、いわゆる刀を作るっていうのは一人の作業じゃないんで、最終的にいろんな職人さんたちの手が入りますから、結構時間はかかりますね。Tout comme pourrait l'impliquer la fabrication d'un long métrage animé, la création de ces pièces est exceptionnelle et la mise en scène à la MCJP est donc soignée pour les mettre en valeur。今回この会場ではおそらく日本の方は見てない形の見え方になってます。その理由は作品は日本ではほとんど刀の場合は表だけで裏は見せておりません。壁面につけるような形で展示されます。ところが今回この会場は裏がも見えるという、両方全体が見える状態になってます。Hirai Tomokazu ne se doutait probablement pas qu'il pourrait organiser une telle exposition quand il a croisé pour la première fois Evangelion il y a quelques années de cela. もう十何年前に、これも偶然なんですけども、1995年かな、96年ぐらいに、私の住んでるイタリアの町で、高校生の女の子がエヴァンゲリオンの漫画の日本語版を買ってきて、すごい興味を持ってて、それを私はイタリア語に訳して、その初めてエヴァンゲリオンに接したわけなんです。そこからずっとそのまま忘れてたんですけども、2年前ふと思い出して、ああそういえばそういう子がいたなっていうところで、その時確かに違う世界を表現してるアニメだなと思いました。
Si le rapprochement entre l'univers du sabre japonais et celui d'Evangelion peut paraître surprenant à première vue, le mariage est réussi en présentant quelques lames impressionnantes. L'exposition reste d'une taille modeste. Elle permet à deux mondes de se rencontrer, l'un se découvrant par le prisme de l'autre et ainsi brasser un large public. Une exposition agréable à découvrir à la Maison de la Culture du Japon à Paris jusqu'au 21 juin.